Bonjour à tous, c'est Jane Tetsuya et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre Let's Play sur Harvest Moon. Donc la dernière fois, j'ai mon calendrier là, je regarde. Le dernier épisode était sorti le 11, donc il y a deux semaines. Avec la rediffusion de live, il n'y a plus beaucoup de place pour poser les vidéos. Donc c'est le troisième épisode, on va continuer l'histoire. Donc normalement j'ai mis le déplacement un peu plus rapide, oui ça c'était fait. Est-ce qu'on a déjà... carte du monde. Ouais, on a des cartes comme ça. Wesley et Vivi. Et ça, c'est tous ceux qu'on connaît, en fait. Requête, on n'en a aucune. Calendrier, on sait que c'est l'anniversaire de Judy. La semaine prochaine. Et ça, c'est ce bain à qui on a parlé. Il aime la laitue. Elle aime les tulipes. Il aime les pommes. Elle aime les champignons froids et elle aime les navets. Et le docteur du fer. Il aime le fer. Elle, c'est lui. On voit du coup la petite note de musique comme quoi avec Julie et Neil, on est déjà pas mal en amitié. Enfin, on a commencé notre truc. On a notre petite encyclopédie. Il y a un truc qu'on a eu, un truc tout au milieu. Du blé. Avancez. C'est avec ça. Ça, c'est les différentes fleurs qu'on a. Les différents champignons, parce qu'il y a encore d'autres champignons. Ok, et ça c'est les repas que nous pouvons faire. Nous on débloque pas les premiers repas de la liste, nous on débloque les repas compliqués. Baguette. Ah oui, c'est celui qu'on a fait... Ah là enfin, c'est les premiers trucs. C'est celui qu'on a fait sur notre cuisine à nous. Ah, il restait un truc. Parce que j'ai vraiment pas regardé le menu en fait dans les deux premiers épisodes. Temps de jeu, l'année, le bétail, nouveau... compétences de pêche, nouveau menu. Premier niveau collecté et champ récolté. Ça, c'est le total de tout ce qu'on a. Et ça, c'est les. Il y a des défis. Et un espèce de petit didacticiel si jamais on se perd. Ok, est-ce qu'on peut construire quelque chose? Enfin, fabriquer quelque chose, cuisiner quelque chose? Non. Alors, on tâchera de garder céleri, oignon, tomate, laitue, épinard, tomate, carottes, patates et lait. Est-ce qu'on a quelque chose dans notre frigo? On a des navets. Ok. Eh bien, nous pouvons sortir! Évidemment, notre cher Doc Junior vient de Paris. Bonjour Ellie. Oui, ah, monsieur. Les gens qui avaient des magasins dans le village sont dans une situation difficile. Leurs bâtiments sont détruits et ils n'ont pas ce qu'il faut pour redémarrer leur affaire. Oui, voyons si on peut les aider. Ok, bah écoute, je vais récolter céleri, légumes feuillus ou gourmiques. Je vais récolter tout ce que je peux récolter. Il y en a, on dirait, ils ont un nouvel objet chou. Je crois que c'était la laitue, mais non, ce sont des choux. Ok, donc on va arroser cela. On a plus grand chose en plantation. Est-ce qu'on a des graines? Oui, on a une graine de brocoli. Tiens, tu peux mettre les graines de brocoli là. On a du céleri, du maïs à fourrage. Oui, on a eu un petit peu de graines avec les petits lutins. Nous avons trouvé en allant au village d'à côté, là où se sont rassemblés tous les survivants qui... survivants, bon, c'était pas trop en danger, mais ils ont été séparés de leur village. Du coup, ils ont fait un nouveau village en attendant de trouver un moyen de pouvoir accéder à celui dans lequel nous sommes. Alors, hop là, petite plantation. Il en faut 4, je crois. Hop. On a des graines, autant les planter tout de suite. Et on a des petits points d'interrogation, je vois sur la map. Petite map qui est en dessous. Du coup, il va falloir que je pense à ne pas mettre ma tronche sur la map. Actuellement, elle est enregistrée sur la map, mais elle est séparée pour que je puisse la modifier.
or à la place des petits cœurs. Est-ce que ça vous intéresse de voir les petits cœurs? Je sais qu'en haut, là, il n'y a pas grand-chose. Ça mettrait peut-être ça. Tchac! Eh bien, je suppose qu'on pourrait s'y attendre après tout ce temps. Quoi? Vous m'aiderez à réparer l'auberge? Il n'y a rien qui soit si cassé qu'il ne peut pas être réparé. Merci, vous m'avez donné un peu de vent. Si vous le pouvez, pourriez-vous m'apporter 4 bois de planche et 2 bois carrés? Waouh! Je me rappelle comment était l'auberge, alors je suis sûre que nous pouvons la rénover. Des planches? C'est-à-dire que déjà, faut que je coupe des arbres et après que je fabrique les planches. Quoi de neuf, Ellie? Tu as besoin de transformer du bois, tu dis? Je ferai bien pour toi, mais je suis occupée à préparer ma prochaine invention en ce moment. Tu peux pas m'inventer un truc qui coupe des planches? Attends, je vais te construire un établi dans ta maison. Comme ça, tu pourras faire tout le travail du bois que tu veux dans le confort de ta propre maison. Tiens, tu veux faire un établi dehors, non? Dans une espèce de grange? Dans ma maison, tu veux vraiment mettre un établi de bois? Ça va mettre de la sciure de bois partout. Je suis sûre que tu peux faire un peu de menuiserie, pas vrai, Ellie? Oui. Alors... Ok. Donc là, elle m'a mis mon établi à bois. Ok. Donc on va aller couper du bois. Tout est fait. Je te donnerai quelques recettes pour le travail du bois, mais le reste dépend de toi. L'établi peut être utilisé pour fabriquer une variété de choses, une fois que qu'un certain temps s'est écoulé après l'utilisation des matériaux, l'article sera terminé. Cette icône apparaîtra lors de la fabrication d'un objet ou lorsqu'un objet a été complété. Un seul objet à la fois peut être fabriqué. Voyons ça. Bois d'or. Oh, attendez, il y a plusieurs onglets. Ah, le premier onglet c'était all. Tout. Alors, nous, est-ce qu'on a récolté... Ah si, dans le stockage, on en a déjà 4. On va le prendre. Sortir. Les 4. D'ailleurs, dans notre sac... Tiens, des cailloux. On va lancer un truc parce qu'ils m'ont dit qu'il y avait un temps. Donc bois de planche et bois carré. Je peux en fabriquer qu'une. Vas-y. Bah vas-y, fais ton truc. Donc objectif, couper du bois. Genre là-dessus. J'ai pas vraiment envie de couper l'arbre qui est ici. Enfin, on va aller plus loin pour couper des arbres qui sont moins proches du village, parce que sinon ça va abîmer le village. Bois d'œuvre. Hop. Ouais, ça le coupe vraiment. On va aller couper des arbres en dehors du village pour que notre village reste tout beau, tout propre. Des graines de carottes. Oh, merci. Graines de blé. On n'a pas encore les informations de date. Par exemple, genre le blé en été, en hiver. On est au printemps. On peut à peu près tout faire pousser au printemps. Les oignons, on en a besoin pour faire des recettes. Champignons. Est-ce qu'il y a une touche où on peut courir? Ah oui, celle-là, mais ça nous épuise. Vas-y, cours. On va aller replanter. Je sais pas combien de graines on a eu, mais on va semer déjà ça. Ok. Donc on aura des oignons pour la prochaine recette qu'on voudra faire. Objectif, débloquer toutes les recettes, bien sûr. Ok, parfait. Ah, elle a perdu un cœur, d'accord. Le fleuriste. Bonjour, merci de faire preuve de tant de gentillesse envers Judy. Ah, c'était un magasin de fleurs, mais il était déjà abandonné avant même que je ne sois née. J'ai toujours rêvé d'ouvrir ma propre fleuristerie dans cet ancien bâtiment.
Vous voulez aider mon rêve à se réaliser? Merci! Bien sûr, pour ouvrir un magasin de fleurs, j'aurais besoin de quelques fleurs pour commencer. Je n'ai aucune idée du temps qu'il faudra pour régler ça. Vous m'aiderez à faire le stock de ma nouvelle boutique? Merci, ce serait d'une grande aide! Avec votre aide, je pourrais peut-être ouvrir plus tôt que je ne le pensais. Je pense que je devrais faire un stock de fleurs qui conviennent à ce village pour commencer. Je pense que ce serait... que je sais ce que dont j'ai besoin. Commençons par 3 tulipes et 3 gerberas. Pouvez-vous les apporter pour moi? Je vous donnerai une tulipe et une gerbera à utiliser comme guide lorsque vous les chercherez. Merci! Qu'est-ce que tu recherches, Ellie? Ah, c'est là que le dockpad est vraiment utile. La carte du dockpad peut t'aider à trouver où se trouve la personne ou la chose que tu cherches. Waouh! Genre un GPS à fleurs? Elle est là. Utilise cette fonction pour trouver où se trouve un objet que quelqu'un t'a demandé. Alors, la carte de monde permet de voir ta position actuelle et les emplacements d'autres choses comme les villageois. Ok. 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 Utilise Y pour rechercher les emplacements de flammes de la moisson des objets. L'élément sélectionné apparaîtra dans l'onglet éléments de recherche. Ok. Essaye-le! Bah oui! Ah mais t'es fatigué, non, il te reste plus qu'un cœur, ça va. Elle va mourir. Ah ça va bon. Alors, on cherche... ça. Ça. Oh. Ok, repère. Ah, un repère. Ah, on peut reposer qu'un. On va d'abord aller à celui-là. Je vais l'empêcher de courir parce que sinon elle va... Ellie, as-tu trouvé des objets rares? Fais-moi savoir comment... Comment tu le fais? Je n'aurais jamais revu mon grand frère si tu n'avais pas voulu partir, Ellie. Je ne saurais jamais comment te remercier. Oh, c'est mignon. Il rentre et puis il referme la porte derrière lui. Hello Ellie, notre famille vous remercie de nous avoir aidés. Suis-je dans le pétrin? Maintenant que je suis chez moi, j'aimerais développer le menu, mais je ne peux pas me procurer les ingrédients dont j'ai besoin. J'aimerais au moins ajouter un gratin de poisson au menu. Ah, peut-être commencer à apprendre la pêche. Comment? Vous allez m'aider à trouver les ingrédients? Ce serait super. Pourriez-vous m'apporter 3 sardines, s'il vous plaît? La sardine est un poisson que l'on pêche en mer. Ne vous inquiétez pas, je vous apprendrai à pêcher. C'est facile une fois qu'on a compris le truc. D'abord, cherchons où sont les poissons. Ça a l'air d'être un bon endroit. Voici une canne à pêche, Ellie. Essayez de lancer votre ligne ici. Alors, ok. Ok, il faut bouger le joystick. Je suis nulle dans la pêche, dans tous les jeux. Pêche bien pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Je vais essayer. Hein, pêcher. Ah, pas ordinaire. Voilà. Je crois qu'il faut plusieurs. Je sais plus. Ah. Il faut me suivre là-bas. Quoi, mais c'est dur! Il va s'en aller le poisson. Non. Ah, le poisson s'est échappé. Alors. Faut que je bouge avec ça, non? Bien, mon petit. Oh mince. Je suis très nulle en pêche. Je vous l'ai déjà dit. Je vous le redis. Donc c'est la 3e fois que le loop est touché, qu'on peut remonter la... Hein? Ouh! Non, c'est pas du tout la 3e fois. Peut-être qu'il faut que j'appuie sur A, mais la barre du menu, je sais pas comment faire. Ah! LS et LR. Je crois que c'était ça qui était écrit. Allez, on retente! Une dernière fois. Avant que j'abandonne.
Attendez, on va re-regarder dans le... Labourage, récolte... Mode photo, dogpad, carte liste, amis, atout, action, livraison... Pêche! Oh, c'est bien, c'est bien le truc de pêche que je voulais. Alors, appuie sur A, oui. Lorsque le poisson s'échappe vers la gauche ou la droite, bouge LS dans la direction opposée. J'ai fait quoi? J'ai appuyé dans la même direction que... Ok. Lorsque le poisson se repose, appuie et maintient la pression sur A. Ça j'avais caché, ça j'avais pris. Hein. Si ta canne à pêche perd sa durabilité avant que tu l'attrapes, il s'échappe. Ok. À nous deux. Revanche. Donc tu reviens ici. Ok, ça utilise moins de durabilité. Il me faut une meilleure canne à pêche. Hein. Même les trucs faciles, c'est un peu dur. Elle est même pas contente de ma pêche. Ah, j'ai attrapé un poisson! Bon, est-ce que j'ai un truc dans mon inventaire? Oh, il me donne un gratin de poisson. Mais où est mon inventaire? Requête, calendrier, ami, encyclopédie. C'est une des touches. Manger. Voilà, là t'es en meilleure, meilleure forme. Ah, c'est un couteau. Palourde raseuse. On arrive. Il nous faut 3 sardines. Ouh, ça va commencer à être le soir, là. Reviens ici. J'ai l'air plus embêtant que les autres. Non, 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 tu réussis. C'est pas une sardine ça. Ah si. C'est une sardine une étoile. Sans appât. C'est trop tôt. En plus je mets pas d'appât, du coup il va être moins vite. On mettra des appâts quand on aura autre chose que des sardines à attraper. Bah dis donc. Je voulais bien s'échapper aussi. Viens mon petit, viens dormir. Sardine attrapée. Là on a les 3 normalement. Elle a 3 cœurs. Elle est plus con. Ouais je me mets sur le côté parce que le micro il est devant le cœur. Du coup j'arrive pas. Je vois pas mes cœurs. De tomates. Merci. On va aller à notre point d'intérêt avant de finir cette journée. Les épinards. Où est notre point d'intérêt? Il a disparu. On peut pas aller de l'autre côté? Pourquoi je peux pas aller vers toi? On peut pas marcher sur l'eau.
Map. Il y en a plus là-bas? Ah, c'était peut-être le lutin que... Mais non, il m'a donné des graines d'épinards. Coucou toi. Graines de blé. Ah oui, c'est les petits lutins là. C'est peut-être quand on s'approche. Ah non, elle était de l'autre côté. De l'autre côté. Tulipes. Allons les chercher. On aura visité toute la map aujourd'hui. Oh, ceux-là, c'est ceux qui ont peur. Genre, faut arriver en mode... Non, pas comme ça. Si j'arrive face à toi, ça va ou quoi? Oui. Ça ne me dérange pas. Allez, here we go. C'est toi qui as des graines de tulipes? Merci! On a certainement un autre. Ah non. Bon, on rentre à la maison. On va passer par lui avant de rentrer. Après, il va se faire tard. Plus on se couche tard dans le jeu, plus le personnage il se lève complètement. Mais on va planter les tulipes et les gerberas en premier. Pour pouvoir continuer la quête du fleuriste. Selena, Langtenbury est ta ville natale. Tu seras toujours la bienvenue ici. En même temps, ma maison, elle est ici. Tu veux m'envoyer où? On va les mettre là-haut, les fleurs. C'est plutôt le fait que j'ai beaucoup taillé des arbres et planté qui fait que mon personnage était fatigué. Les gerberas, oui, comme ça. Et là, les tulipes. Ouais. Ah, quand elle affiche un cœur, c'est qu'il reste un cœur. Bah, on plantera les tomates demain. Je sais pas combien de temps elles mettent à pousser. Bon, en tout cas, on a des têtes alors. Va faire dodo. Oh, c'est terminé. Samedi 7. T'as récupéré tous tes cœurs, c'est bien. Doigt carré. Tu peux en faire qu'un seul, vas-y. Ah, c'est 10. 10 secondes, ça va, c'est pas long. Notre petit arrosage du matin. Et on fera les plantations aussi. Hop, je replie. Et on continue. Alors pour les repas, je crois qu'il y a des oignons, tomates qu'on va faire. On va continuer de couper un petit peu de bois pour pouvoir faire la quête de l'auberge. Peut-être qu'il y aura plus de monde. Tomates déjà, on avait dit. Ensuite, oignons. Ah, j'ai plus. Je vais peut-être planter. On va planter le reste. Il y a combien de graines? Il n'en reste plus que celle-ci, donc on va les planter. Des épinards, on n'en a pas non plus, il me semble. Alors on va couper ce bois là-bas. Ça nous donne beaucoup de bois.
dans nos villages. Maintenant, on a une petite grange à reconstruire, mais pour l'instant, on n'a pas les matériaux adéquats. Hop, bois carré, vas-y, tu en fais le max. J'ai plus c'est quoi. Il fallait pour la quête. En tout cas, le fleuriste, on peut pas le finir maintenant, mais le nouveau menu, ça, on peut le faire. C'est à lui qu'il fallait parler. Donnez. Ouais. Waouh, vous avez des poissons, vous avez un don pour la pêche. Si tu savais. Au fur et à mesure que tu gagnes de l'expérience dans la récolte des cultures et la cuisine, tes capacités dans ces tâches augmenteront. Ta capacité de récolte est augmentée par le nombre de fois où tu récoltes, ok. Plus ton aptitude à la culture est élevée, plus il est facile de produire des récoltes de qualité. Et lorsque ta capacité de pêche augmente, les poissons ont plus de chances d'apparaître. Lorsque ta capacité de cuisson augmente, le temps de cuisson est réduit. Tes capacités peuvent être consultées dans les listes des fiches de l'encyclopédie. Oh, c'est la sardine bien vivante! Merci, cela devrait faire un délicieux gratin de poisson. Je vais ajouter le gratin de poisson à mon menu demain. Arrête-toi pour en manger la prochaine fois que tu passes par ici. Je dois vous remercier de m'avoir amené la sardine. Et ceci. Gratin de poisson, x1. Je sais pas si j'ai déjà assez de bois. Normalement ça devrait être fini. De plus de filles. On a eu celle-ci, le fleuriste, on doit juste attendre que ça pousse. 4 et lui il en fallait 2. Donnez. Elle me donne des graines de brocoli. Vous avez déjà les matériaux, merci. Maintenant nous pouvons les utiliser pour réparer l'auberge. Je suis sûre que tout le monde participera. Je veux vous remercier. Prenez ça, s'il vous plaît. Merci. Et du coup. Ceci est une auberge, c'est là que les visiteurs de Lectangbury viennent se reposer, se détendre. D'accord. Pour l'instant, ils ne détendent pas beaucoup. Oh, un petit lutin! Graine de céleri. Vas-y, use-toi à la tâche. Pour l'instant, on a déjà fait 2 tâches. Il ne reste plus qu'un cœur. Alors, c'est là les tâches. Il me donnera des graines d'oignon. Donc, je les avais pas en fait. Il faudra qu'on fasse une tulipe de plus pour l'anniversaire de Judy. Ouais. Voilà. On a trouvé. Ah, c'est dans champignons ça. À mon avis, c'est les récoltes qu'on peut trouver. Le gratin de poisson, il est ici. Et on a juste pêché la sardine. Je me demande ce que c'est ça. Ah, c'est des animaux. On a plus la fleuriste. Est-ce qu'on peut choper... Non. Tulipe. On va aller chercher de la tulipe pour l'anniversaire de notre ami. Est-ce qu'on doit faire tout le tour ou pas? Oui. Il est là. Et après je te laisserai tranquille. Oh, un demi-cœur. Alors du coup, aujourd'hui nous aurions découvert la pêche. C'était un petit peu laborieux au début, jusqu'à ce qu'on comprenne, le bon ordre des choses. Donc il continue de me donner des petites graines, ça c'est top. C'est un très bon moyen de choper des graines. On en a plus souvent que des... Graines de tulipes, merci. Que le dernier opus que j'ai fait. On va
je sais pas si en manque de cœur on peut rester accroupi longtemps. Graines de chou, x5. Waouh! Oh, des roses! On va quand même en garder. On en a une. Lui là, j'aimerais bien aller lui parler, mais comment on fait pour, entre guillemets, marcher dans l'eau? Ou sur l'eau, s'ils veulent, moi je veux bien marcher sur l'eau. Et toi, tu seras le dernier! Graines de pensée de fraise! Ah d'ailleurs, les tulipes, on peut regarder dans l'encyclopédie. Temps de récolte 6, mais non, elles ont pas encore poussé, donc on ne peut pas savoir. C'est dommage. Et ceci est un réveil. D'accord, donc quand on tombe à zéro cœur... Oh, tu as repris conscience, Ellie. J'ai vu par hasard que tu gisais inerte dehors, alors je me suis chargée de te porter à la maison. Assure-toi de prendre mieux soin de toi. Donc on a tous nos cœurs, mais on s'évanouit de fatigue. Donc ce sera... c'est la fin de l'épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Dans le prochain épisode, nous finirons certainement la quête du fleuriste. Et également... la quête de l'auberge. La quête de l'auberge, on l'a fini, mais le temps qu'il l'a construit, ça doit prendre un ou deux jours. Je pense que là, je sors, elle est faite. Mais on va rester là-dessus pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, si pas la semaine d'après, pour la suite de notre let's play. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais publier le prochain épisode. Je sais pas encore. Sur ce, bonne journée, bye tout le monde. Let's just